device is the Bluetooth device is connected successfully. Donc, quand même, à faire cette enceinte, c'est l'enceinte Homeday. Et franchement, elle crache du son, mais pépite, les gars. Attendez, je vous fais écouter ma musique du moment. J'aime bien celle-ci. Attendez, je vous l'avance. Tout le monde verra. La musique du moment. Hein. Si ça vous intéresse, je vous ferai ma playlist du moment. Voilà, parce que j'ai plusieurs musiques et celle-ci, la musique que je viens de vous faire écouter, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais je la kiffe cette musique, je vous jure, je l'adore. Enfin bref, je suis pas là pour vous faire la playlist tout de suite. Hein. Baby, a sex has meaning. Je reviens, c'est pour vous tourner une vidéo, comme vous aurez pu le voir dans le titre, c'est comment j'ai récupéré mes cheveux. Initial, pendant 2 mois, je m'attachais les cheveux en chignon pour pas qu'on voit la couleur, parce que je m'avais fait un bleu pastel. Voilà, arrivé en bleu pastel, c'est pas du tout la couleur que j'ai eue. À la base, je devais avoir un beau bleu pastel. J'ai eu un bleu nuit horrible. Je trouvais que ça me rendait hyper ferme, hyper méchante au niveau du visage. Enfin bref. Du coup, à force de faire des lavages, et ma couleur commençait à dégorger. Alors je me suis dit, c'est bien, au bout de 5 shampoings, avoir 10, ça va partir, j'aurai ma couleur normale. J'avais fait un premier coloriste avec ma soeur, c'était pendant les vacances de Noël. J'avais décidé de faire un rose gold. Et celui-là, il disait à 5 à 10 shampoings. Et c'est parti directement au bout de 5 à 10 shampoings. Du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper bien, les coloristas, ça part directement. C'est un demi permanent, ça part directement, en fait. Du coup, je me suis dit, je me ferai... parce que j'avais vu deux autres couleurs qui me plaisaient grave. C'était le violet et le bleu pastel, que je vous parlerai après. Je me suis dit que j'allais faire ça pendant les grandes vacances de... Les grandes vacances. J'allais dire les grandes vacances de Noël. Non, 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 non. Et du coup, arrivé... Bref, j'avais dit que... que j'allais faire ça pendant les grandes vacances. Du coup, j'ai commencé par mon violet. Mon violet est parti au bout de 10 shampoings. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le bleu pour... parce que à ce moment-là, il y avait les... Le foot. Ah ! C'était la coupe du monde. C'était la coupe du monde du foot. Et je me suis dit, pourquoi pas me faire en bleu. Des cheveux bleus. Parce que, parce que les couleurs pastel, ça fonctionne pas sur les couleurs... foncé, alors j'avais fait sur mon blond et du coup je me suis dit comme ça c'est bien, ça prend encore plus pastel, ça sera magnifique. Hein, bref, du coup je le fais, j'en avais acheté deux, les deux m'avaient coûté 16 euros, et du coup ma soeur elle me le fait, et déjà vu, ça m'avait pas fait du tout un bleu pastel, ça m'avait fait un bleu nuit, alors que j'avais laissé au temps qu'il disait, ça avait pas du tout fait ça déjà d'une. Déjà de 2, ça disait que ça partait à 10 à 15 shampoings. Pas du tout. C'est parti au bout de 2 mois. 2 mois. Et 2 mois parce que c'est moi qui ai dû me faire une décolo plus une colo. Alors c'est pas normal. Alors moi, qu'est-ce que je reproche à ce colorista? Déjà d'une, méfiez-vous. Parce que le bleu, c'est le pire à partir. C'est le pire, je vous jure. Parce qu'après, le bleu, ça dégorge en vert dégueulasse. Ça, je peux vous l'assurer. J'ai pris des photos. Ça se voit pas trop. Mais c'est dégueulasse. Horrible. Enfin bref. Du coup, pendant 2 mois, je me suis dit, je vais faire le bleu. Parce que comme ça, quand j'irai voir mon copain chez son père, le bleu, ça sera parti. Et pour la rentrée, le bleu sera parti. Alors j'aurai une nouvelle couleur. Ça sera parfait. Pas du tout. Ça s'est viré en cauchemar, les gars. Alors déjà, chez mon copain, je vais encore mon bleu. Et à la rentrée, je voyais la rentrée approcher à grands pas. Et du coup, je suis à ma mère, maman, peut-être aller au coiffeur parce que là, c'est plus possible. Je ne peux pas avoir ça pour la rentrée, quoi, c'est mort. Et du coup, ma mère, elle fait, viens, on va au coiffeur. Alors le lendemain, on y va en début d'après-midi. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu veux faire en couleur? Je veux essayer de récupérer mon blond.
Et elle me regarde et puis elle me fait comme ça. Non, on pourra rien faire, il faut tout couper. Alors quand elle a dit il faut tout couper, j'ai fait c'est mort. J'ai regardé ma mère, j'ai fait c'est mort. La comblée était là, alors j'aurais eu un carré dégueulasse. Déjà que j'ai les cheveux hyper fins, je vous laisse même pas penser à quoi j'aurais ressemblé quoi. Et j'ai fait non, c'est mort, on me coupe pas les cheveux. Du coup, bah on est parti. Moi dans la voiture, ma mère me regarde, puis elle me fait tu veux pas qu'on essaye un châtain? Quand même, un châtain très foncé. Ma mère a dit, elle m'a dit, t'es sûre, tu veux pas qu'on essaye peut-être une couleur un peu plus foncée que ta couleur naturelle? Je fais, ouais, on va essayer quoi. Et du coup, j'avais lu avant ça plusieurs témoignages des personnes, de Nana qui avait fait le même bleu que moi en colorista, que ça partait pas. Et il y avait plusieurs, je vous jure, une dizaine de personnes que c'était arrivé pareil. Et en gros, elle disait que ça partait pas, que ça faisait 2 mois qu'elle l'avait, ça partait toujours pas, qu'elle savait pas quoi faire. Et yon, bah, du coup, j'ai acheté le colorista et je suis tombée. Je vous mettrai le close-up. Et du coup, j'ai dit à maman, à ma mère, maman, ce shampoing enlève la décolo bleue. Ma mère a fait, ok, on va essayer. Enfin, 8 à 9 euros. Et du coup, voilà. Alors moi, pour savoir, je le faisais tous les jours. Mais je le faisais pas sur la racine. Je le faisais que sur la longueur. Je me faisais une queue de cheval. Et puis je prenais ma longueur. Et puis je les lavais. Voilà, je faisais au moins 4 shampoings. Du coup, ça prenait 40 minutes. Voilà, je faisais 1, 10, le 2, le 10. Enfin bref, voilà. Du coup, j'avais un côté blond, un côté bleu, parce que j'avais une mèche, une grosse mèche qui voulait pas partir, je vous jure, ça m'avait dépité. Du coup, ma mère, on va quand même essayer la décolo. Je suis ok. C'était une décolo de chez Garnier, mais j'ai pas pris des photos. J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire. Mais clair. Alors pour l'instant, j'avais séché. Ma mère, elle m'avait lavé les cheveux, elle me les avait séchés. Et je vous jure, je l'ai brossé, je l'ai brossé, je l'ai brossé. Mais à chaque fois que je passais un coup, par exemple à cette mèche, quand je repassais, j'avais encore plein de nœuds. J'avais encore plein de nœuds. Je vous jure, j'ai jamais eu les cheveux avec autant de nœuds. Avec autant. Oh, et what the fuck, quand j'y repense. Et du coup, je les sèche bien tout ça. Voilà, ma soeur les rebrosse derrière pour me refaire la couleur. Et du coup, quand elle me faisait mon blond cendré, vous allez pas me croire. Mais sur mon pantalon, j'avais toutes mes fourches cassées. Bon, je me dis que une fois la décolo, bon, d'un sens c'est bien parce que comme ça m'a enlevé toutes mes fourches. Mais d'un sens non parce que ça me les a encore abîmées. Enfin bref, et du coup, ma soeur me fait mon blond cendré et vous allez pas me croire. Au bout de 5 minutes, la couleur avait déjà bien pris mes cheveux. Je vous jure que c'est vrai. Et du coup, bah, au milieu de la laisser, je peux pas. Comme maman l'a dit, elle me fait, je peux pas te la laisser 30 minutes parce que tes cheveux là seront plus foncés que ta couleur initiale. Je sais, bah écoute, on va faire 15 minutes, avoir 10 minutes et on va me l'enlever. Et du coup, ce qui fait que je suis arrivée en gris cendré. La couleur, je kiffe. Je trouve ça, mais trop beau. Je vous mettrai une photo de la colo et après. Mais je trouve qu'en photo, vraiment, les couleurs que j'ai pu avoir, ça rend pas du tout bien en photo. Je vous jure, je suis dégoûtée. J'espère que vous m'avez un peu comprise. Du coup, allez, voilà où les péripéties de mes cheveux à cause d'un seul et unique produit, le colorista bleu. Alors, si vous voyez cette vidéo, ne faites jamais ce colorista bleu, à moins que vous voulez le faire tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Montrer tous les produits que j'ai utilisés pour essayer d'enlever ce bleu. Voilà. Alors, bah, pour commencer, du coup, parce que avant que je connais, bah, parce que avant que je sais qu'il y avait ça qui existait, du coup, j'avais fait un. Et des shoulders, je vous mettrai tous les close-up, hein, mais je pense que vous connaissez. Du coup, bah, j'avais fait ça. Je faisais un shampoing, ça, et je faisais un deuxième shampoing de chez L'Oréal Paris, le cheveux long terne. Voilà. Je faisais celui-ci, j'internais les deux pour essayer que ça parte au maximum. Voilà.
Ensuite, je faisais des soins pour essayer d'enlever le plus ma couleur. J'avais même essayé l'huile d'olive. J'étais prêt à tout, hein. J'étais prêt, vraiment, je vous jure, j'étais prêt à tout pour sauver mes cheveux. Je vous jure que c'est vrai. Du coup, j'alternais avec en soin le Garnier, le Fructis, je sais pas si ça se dit comme ça, cheveux secs et abîmés. Du coup, ils sont hyper bons, je vous jure, ils sont hyper bons, je vous conseille. Et puis, ils nourrissent hyper bien. Ça, c'est pépite. Et j'ai essayé le nouveau qui vient de sortir de chez Garnier. C'est le Fructis Masque Réparateur Hair Food Papaye multi-usage pour cheveux abîmés. Celui-ci, il sent trop bon. Il sent trop bon. Ils sont trop bons. Ah, j'adore. Je voulais prendre celui-là à la banane, mais je trouvais pas. Alors, qui sait? Et du coup, ce qui est bien avec celui-ci, c'est que il est vegan. 96 formules biodégradables, testées dermatologiquement, huile végétale, ce qui est très bien. Il n'a pas de silicone, de parabènes, ni de colorant artificiel. Ce que j'ai essayé, le Colorista. Alors ça, je vous jure, essayez-le, prenez-le. Bon, voilà, j'ai pas récupéré mes cheveux initiaux comme il disait. Mais j'ai réussi à enlever le bleu et c'est ce qui compte énormément. Je vous jure que c'est vrai. Voilà, alors du coup, après ça, bah, du coup, j'ai fait une décolo. Voilà, bien évidemment blonde, puisque toutes les décolos sont blondes, fait que ça vienne blond. Voilà. Du coup, j'ai fait une décolo de chez Garnier et ensuite j'ai fait une colo, mais je sais plus c'est quoi la marque. Mais la couleur, c'était un blond clair cendré. Du coup, ce qui m'a fait devenir en grise. Yes. Du coup, c'est venu en gris. Du coup, voilà. Allô, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!